Hello, bonjour à tous. Je suis Nelly, je suis une habitante de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, une belle région d'Ardèche, un beau petit village. J'ai lancé un petit défi à mon village, c'est-à-dire de faire un flash mob sur cette chanson qui, selon moi, sera une des chansons phares de l'été. Et il y a une petite chorégraphie qui va sur cette chanson. Donc je me propose de vous la montrer. Je l'ai un petit peu revisitée pour qu'elle soit pas trop compliquée, parce qu'il y a plusieurs façons de la faire. On peut la faire très énergique en sautant. Moi-même, je trouve que ça me fatigue. J'ai plus forcément l'énergie pour sauter tout le long de cette chanson. Donc je vais vous montrer ma version améliorée pour qu'elle soit réalisable sans trop demander d'efforts, sans trop être fatiguée. Donc ça serait super si des gens de mon village et alentour venez à mon rendez-vous Flash Mob le dimanche 12 juillet 2020. Au Pigeonnier, à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, à 14h. Le but, c'est de vous montrer cette chorégraphie en amont. Comme ça, le jour J, on n'a plus qu'à la faire, pour éviter de se fatiguer justement, parce qu'il fera sûrement très chaud comme aujourd'hui. Donc l'idéal, ça serait qu'on ait juste à la faire tous ensemble. Normalement, on aura un drone qui va nous filmer, donc ça peut être sympa. Et je voudrais après pouvoir la diffuser sur cette chaîne YouTube, montrer de quoi mon beau village et les gens en général nous sommes capables. Voilà, c'est le début de l'été, on a passé une période un peu compliquée. Maintenant, place à la fête, place à la musique, place à l'été. Donc je vous attends nombreux le 13 juillet. Pour le 12 juillet, que dis-je, le 12 juillet, dimanche 12 juillet, donc hein, au Pigeonnier de Saint-Fortunat. J'imagine que le temps que tout le monde arrive, que je vous explique comment ça se passe, ça va prendre un petit peu de temps. Donc prévoyez un créneau de 14h à 16h, on va dire. Essayez d'être là à 14h pour ceux qui veulent faire le flash mob. Quand même, comme ça, ça m'évitera de répéter les choses au fur et à mesure. Et puis, si vous avez envie de ramener un petit goûter, une petite boisson, après on partagera tous un petit goûter tous ensemble. Voilà. Idéalement, si vraiment il fait très beau et que certains le sentent, ça serait même chouette qu'on finisse dans la rivière, qu'on jette de l'eau, que comme ça le drone nous filmera. Ça peut être une belle image, parce qu'en plus on a un joli coin de rivière, le Pigeonnier, c'est sympathique. Voilà, ça fera un petit peu de publicité pour mon village, pour ma belle région. Pour moi aussi, hein, puisque donc cette chaîne YouTube, c'est ma chaîne que j'ai pas beaucoup alimentée depuis quelques temps, mais je compte bien retourner plus activement dessus. Donc je suis Nelly, je vous ai déjà dit. Dans la vie, je suis nounou, hein, donc assistante maternelle, mais parallèlement, je suis aussi DJ et photographe. Vous pouvez voir mes pages Facebook sur Chic et Chouette Event DJ et Chic et Chouette Event Photographie. Voilà, j'ai également un Instagram qui est Chic et Chouette Event, je crois. Je mettrai les liens sinon, si j'y arrive, sous la vidéo YouTube. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Donc, place à la musique, place à la danse. Voilà, on y va. Je vais lever le son. Donc, c'est un petit peu comme un Madison, vous allez voir. Ça fait un espèce de carré. Donc, on va tenter ça. Et je vous ai dit, moi, je le fais à la façon cool, pas en sautant. Maintenant, vous pouvez aussi le faire en sautant. Je vous montrerai les deux façons de faire. Voilà. Allez, je remets la chanson au début et c'est parti. Hop, c'est parti. Je mets un peu de son. Jerusalem, Ikayalami, Hilo Nolose, Uhambenami, Umanishilana, Jerusalem. Forcément, ça coupe, mais je recommence pas toute ma vidéo, donc je remets juste la chanson. Tac.
Pourquoi ça coupe? Je l'ai remise du début parce que j'arrivais pas. Voilà. Allez, on reprend. La première fois. Attends. Pas très au point la fille hein, pour les vidéos, désolée. J'ai pas envie de la faire 50 fois parce que il fait très chaud et puis voilà. La première fois, je vais vous montrer le pas difficile que moi j'ai réamélioré. Donc le deuxième temps, vous verrez, on le fait plus simplement. D'accord. D'ailleurs, je vais vous le montrer une fois comme ça, sans le son. Comme ça, ce sera mieux. Donc, en fait, au départ, voilà, on marque le pas. Et quand ça démarre, côté 3, 4, 5. Là, on va derrière. Difficile, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Et après, on repart comme ça. Mais moi, ça, pendant 4 minutes sur la chanson, je ne vais pas le tenir. Je pense que je ne suis pas la seule, donc j'ai décidé que ça serait comme ça. Donc, quand on aura fait 1, 20, tac, 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 tac. Et après, on repart. Ok ? Enfin, je vais vous le faire, vous allez voir, vous allez mieux comprendre en vidéo. J'espère que ça ne va pas couper cette fois. Alors, je remets le son. Je relance. C'est parti, ça filme bien, ok, c'est cool. Jerusalem, Ikayalami, Ilonolose, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilonolose, Uhambenami, Zumangishilana. No lo sé, Hambena.
Voilà, je coupe la musique. Bon, elle est coupée, normalement. Ok. Ouh. Ah non. Vraiment pas au point, niveau média, oui, tout ça, bref. L'essentiel, c'est que j'ai ma vidéo, tant bien que mal, avec les aléas du direct, même si c'est pas du direct, mais j'ai pas envie de le refaire. J'espère que vous avez compris les bases du pas. Donc, je vais souffler, j'ai pas pris d'eau. J'invite donc les gens de mon village, et d'ailleurs, à venir faire cette petite corée avec moi, ce petit flash mob. Donc, dimanche prochain, le 12 juillet. Ça serait sympa, voilà, c'est juste pour le fun, il n'y a rien à gagner. C'est juste pour s'amuser, c'est le début de l'été, c'est la fin d'une période difficile. Donc, c'est l'envie de s'amuser, de faire la fête avec des gens, de montrer que on est encore un peuple qui peut s'aimer, qui peut faire la fête. Donc voilà, le 12 juillet, dimanche, au Pigeonnier, pour un flash mob. J'espère que vous serez nombreux. Vous venez habiller comme vous avez envie, coloré, ça serait super. N'oubliez pas, il y en a qui pourront aller dans la rivière après. Si vous avez envie, prenez une tenue de rechange au cas où. On pourrait faire un petit peu des éclaboussures en l'air, ça serait rigolo. Puisqu'on aura un drone qui va venir nous filmer, c'est Valdrone, qui s'est proposé gentiment, généreusement, pour faire cette vidéo pour mon village. Donc Valdrone de Valence, qui possède des drones professionnels, semi-pro, etc. Merci beaucoup d'ailleurs de participer à ce petit défi. Et puis, je n'oublie pas bien sûr ma communauté sur YouTube. Je vais vous lancer aussi ce petit défi de m'envoyer vos petites vidéos de la Corée, si vous le voulez. Alors, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir vous demander de me les envoyer. Je ne sais pas si vous avez des idées, des suggestions, dites-le moi en commentaire. Parce que je ne sais pas si je vous donne, si je crée une adresse email express, si vous pouvez me les envoyer via Instagram en message privé, si vous pouvez me les envoyer, je ne sais pas trop. J'ai un petit peu besoin d'aide là-dessus, si quelqu'un saurait me renseigner, ça serait super. Je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas de prendre de l'eau aussi, hein, parce que vous allez voir, il fait chaud et ça donne chaud. Voilà, je vous laisse. Si vous avez des questions, des commentaires que je n'ai oublié de dire, par exemple, mettez-les en commentaire. Idéalement, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais ma youtubeuse. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller sur mes pages Facebook, Chic et Chouette Event DJ et Chic et Chouette Event Photographie. Voilà, moi je suis Nelly, le vent va faire envoler tout. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que je vais réussir à mettre ça en ligne parce que je me suis donné du mal. Voilà, plein de gros bisous d'amour et à très vite j'espère. Merci de me dire aussi ceux qui participeront, de m'envoyer un petit message pour me dire ouais je serai là, comme ça je saurai à peu près bah, si ça vaut le coup que je fasse venir Valdrone ou pas d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. À très vite.